À l'ère de la société de la connaissance et l'innovation, l'Université autonome de Nouveau-Léon consolide sa vocation humaniste et de responsabilité sociale de former des cadres professionnels de classe mondiale. À ses campus accèdent plus de 140 000 étudiants, faisant d'elle une des plus grandes institutions d'éducation moyenne supérieure et supérieure dans le pays par sa quantité d'étudiants et sa qualité éducative. Elle dispose actuellement de 29 lycées et 26 facultés distribuées dans 6 campus qui se trouvent dans 36 communes de l'État de Nuevo León, ce qui lui donne une couverture stratégique sur tout ce territoire. Sa pertinente offre éducative comprend des programmes de baccalauréat, technicien supérieur universitaire, licence, spécialisation, master et doctorat qui couvrent tous les domaines de la connaissance. Ces programmes éducatifs sont innovateurs et internationalement compétitifs. Yo estudio ingeniería en aeronáutica y en el norte de México solo se ofrece en la Universidad Autónoma de Nuevo León. L'Université autonome de Nuevo León dispose de la reconnaissance CEP à la qualité éducative conférée par le gouvernement fédéral, étant donné que 100% de ses étudiants du niveau licence suivent des programmes dont la bonne qualité est certifiée par l'Agence des comités pour l'évaluation de l'éducation supérieure. Ces programmes éducatifs comptent aussi avec l'aval du Conseil pour l'accréditation de l'éducation supérieure. Certains d'entre eux sont reconnus par des organismes internationaux et ces procès académiques et administratifs sont certifiés par la norme internationale ISO 9001-2008. La Universidad Autónoma de Nuevo León es reconocida en el 2020 como una institución socialmente responsable y de clase mundial por su calidad, relevancia y contribuciones al desarrollo científico y tecnológico, a la innovación, la construcción de escuelas de pensamiento y al desarrollo humano de la sociedad neobolonesa y del país. Toutes ces actions se mettent à terme dans le cadre de son plan de développement institutionnel 2012-2020 et s'accomplissent sous les normes de compte rendu et transparence. De grande importance sont les apports du Conseil consultatif, du Conseil consultatif international et de la Fondation UANL, intégrés par d'éminentes personnalités. Todas las acciones de la Fundación y de los consejos consultivos están encaminadas a colocar a nuestra universidad en los primeros niveles del ranking mundial. L'Université autonome de Nuevo León est un espace pour la vie en commun en sûreté, harmonieux avec l'environnement et agréable pour l'étude et les loisirs. Ces campus sont une ville dans la ville. Esta es mi segunda casa. Aquí recibo todos los servicios que necesito para mi formación profesional. Au moment d'obtenir son diplôme, l'étudiant de l'université sera un professionnel compétent qui pourra travailler n'importe où dans le monde, puisque sa formation sous le schéma du nouveau modèle éducatif est orientée au développement des compétences et à l'apprentissage des langues. Leadership, autonomie et responsabilité sont fondamentaux pour sa formation intégrale. L'étudiant dispose de programmes de stimulation au talent, tutorat, conseiller académique et de carrière, ainsi que de bourses d'études. La Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con infraestructura de primer nivel. Il y a des centres d'apprentissage de langue et un réseau de bibliothèques qui est un véritable centre d'information bibliographique et hémérothèque numériques et virtuelles auxquelles, grâce à sa base de données mondiale, peuvent accéder tous les élèves du lycée jusqu'au troisième cycle. Cherchant l'équité et l'élargissement de sa couverture éducative, l'université pourvoit d'enseignement aussi à travers la modalité à distance, en portant ses programmes éducatifs à des centres communautaires tout près des agglomérations où peuvent étudier les femmes au foyer et les travailleurs. Elle offre des études à des personnes avec handicap et dispose d'un programme pour les personnes du troisième âge à travers l'université pour les majeurs. Al realizar investigación científica e investigación con la industria, nos permite compartir el conocimiento con nuestros alumnos.
Esto nos da la capacidad de generar nuevo conocimiento y tecnología en beneficio de nuestra sociedad. Plus de 6000 excellents professeurs offrent une éducation de qualité avec responsabilité sociale, puisqu'ils ont des profils de qualité et des études de troisième cycle. L'université offre des programmes d'études de troisième cycle dans tous les domaines de la connaissance, reconnus par leur qualité nationale et internationale et leur haut développement de la recherche, et conduit dans ces centres de recherche en bénéficiant les secteurs sociaux et productifs du pays. Une formation de troisième cycle à double diplôme y est pourvue en accord avec des universités de prestige, 4 doctorats internationaux, un national et une maîtrise internationale. Ces chercheurs, assignés au système national de chercheurs et associés par corps académiques, contribuent à la création scientifique et technologique avec de remarquables apports et innovations dans tous les domaines de la connaissance et qui sont publiés dans des revues d'arbitrage international et au portail internet www.uanl.mx. En este laboratorio desarrollamos pruebas de diagnóstico y tratamiento para la tuberculosis. Ambas están patentadas y es muy importante para el control de esta enfermedad que tiene una gran alta incidencia en el país y en todo el mundo. Certaines de ces innovations ont déjà des brevets nationaux et internationaux grâce au centre d'incubation d'entreprises et de transfert technologique où sont également créées des entreprises high-tech qui ont reçu des prix au niveau national. Le World Trade Center Nuevo León UANL, entre autres, les épaules pour qu'elle puisse saisir les marchés internationaux. À son infrastructure scientifique s'ajoute le Centre de recherche et innovation en génie aéronautique. Et bientôt, il en sera de même du Centre de recherche en biotechnologie et nanotoxicologie. Parmi les alliances stratégiques avec d'autres universités, il y a celle de la station sismologique de Monterrey à l'ensemble Mederos. L'échange académique d'étudiants et professeurs fait partie de l'internationalisation de l'Université autonome de Nuevo León, qui soutient des conventions avec des organismes internationaux comme l'Organisation d'États américains et avec des universités de 40 pays sur les 5 continents. En la universidad se vive y se respira la cultura. Le Centre culturel universitaire Colegio Civil, la Maison universitaire du livre et le Théâtre universitaire ouvrent leurs portes à toute la communauté à travers 1500 événements culturels par an, dans la polychromie d'expressions artistiques de leurs compagnies titulaires, groupes musicaux, ensembles et orchestres. Certains de ces professeurs appartiennent au système national de créateurs d'art. Somos una universidad que cuenta con una orquesta sinfónica de reconocimiento internacional. L'université est foyer de la pensée. Chez elle se donnent rendez-vous les voix d'écrivains, poètes, historiens et philosophes. Parce que c'est dans cette universalité de la pensée que s'exaltent les valeurs humaines et se récupère le patrimoine culturel du nord-est du Mexique. Nos sentimos muy orgullosos de haber representado a nuestra universidad y a México llevando el folclore nacional y haber obtenido el primer lugar en el Festival Internacional de Arte y Cultura en Turquía. En tant que centre de culture, l'UANL a reçu des prix nationaux et internationaux tels que la médaille du mérite dans la promotion culturelle et la reconnaissance au travail éditorial, dû à sa promotion de la littérature, le livre et la lecture, et à sa production d'édition et de coédition de livres nationaux et internationaux. Parmi ses moyens de divulgation scientifique et culturelle se trouvent la télévision et la radio universitaire, fenêtre de l'université à la société. Cada día queremos dejar huella en la sociedad. Solidarité et humanisme sont la devise d'une université qui laisse son empreinte dans la société. Des jeunes gens enthousiastes participent à des programmes de services sociaux, soins communautaires et volontariat. Environ 4 millions de personnes sont bénéficiaires des services du programme universitaire de santé
et de l'hôpital universitaire, Dr José Eleuterio González, adhéré à l'assurance populaire. En outre, il participe activement avec dévotion pour faire du Mexique une société plus productive, démocratique et juste. L'université est pionnière dans la préservation de la biodiversité et la durabilité de l'environnement. Elle est la seule institution d'enseignement supérieur dans l'État de Nuevo León à offrir les programmes de biologiste, ingénieur géophysicien, ingénieur géologue de l'environnement, ingénieur géologue minéralogiste, ingénieur pétrolier, ainsi que ceux d'ingénieur forestier et ingénieur en gestion des ressources naturelles pour contribuer avec des ressources humaines d'excellence à la conservation des ressources non renouvelables du Mexique. Elle appuie également le développement de l'industrie agroalimentaire et agropastorale de notre État, à travers le campus des sciences agropastorales. Aquí es tierra de los tigres, aquí competimos con pasión. L'endroit où l'honneur est un mode de vie et le triomphe, le résultat du dévouement. Ces athlètes sont 7 fois consécutives champions de l'Universiade nationale et Los Auténticos Tigres, champions du football américain, dans les catégories junior, intermédiaire et ligue majeure de l'ONEFA. En el deporte universitario nacional, somos el número uno. C'est la maison d'études avec le plus grand nombre de médaillés aux Jeux panaméricains et parapanaméricains de Guadalajara, Jalisco. Elle détient aussi le titre de champion du football professionnel de la première division. Chaque homme et chaque femme font ici la différence. Un lieu de tradition dans lequel le passé donne direction et vision à l'université qui, avec responsabilité sociale, frappe déjà le monde. Université autonome de Nuevo León. Éducation de classe mondiale. Un engagement social.